Un, deux. Ok, 1, 2, 1, 2. Super. Est-ce que je l'ai encore, lui? On va modifier lui. Hop là. Ok. Ah, c'est marrant ça, on rigole bien ici, dis donc. Okamari no Suzuki. Pourquoi j'ai pas le chat là? C'est quoi ce délire encore? Vue modérateur. Attends, on recharge la page vite fait. 1, 2, 1, 2. Je vois même pas mon chat quoi. Ah si, c'est bon. J'ai rien dit. Je suis juste un connard. Bon, j'espère que ça va bien. Parce que moi, ça va super, comme on dit. Alors, ah oui, alors, c'était ça que tu m'avais envoyé là? Je crois que les filles m'aiment bien parce que. Ah, mais c'était ça qu'il disait. Ah, d'accord. Nickel. On va faire une grosse bataille là. J'ai l'accent. Qu'est-ce qui se rend? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi j'ai l'accent? J'ai pas d'accent. Mais c'est la puissance. Tout dépend. Un mystiose. Allez, c'est parti. Reste en... Grosse bagarre. Non, mais les lots, c'est parce que je le fais exprès. Moi. Ce bordel l'eau. Bah quoi, ouais, bah ouais, je le fais exprès. Je sais plus quoi faire là. N'importe quoi. Thank you.
Eh ben toi pas, Fu, reste là. Ce bug de merde. Arrêtez! Mais... défoncer. Mais bordel! Mais sont relous avec leur bouclier là. Et leur lance. On va se battre, mon père. Ah bah j'ai gagné, je suis beaucoup trop fort. Aucun lien avec Gilles en effet. Eh ben merci. Première bataille gagnée là. Encore une fois. Mais y a rien qui va dans ce jeu de toute façon, comme tu peux le constater. Le cheval il est en feu, le personnage bon il ressemble à un demi-dieu. Y a rien qui veut. J'avais oublié que je pouvais faire ça. Alors qu'est-ce qu'on a à faire encore? Donc techniquement toute cette région là c'est fait. On va pouvoir attaquer la suivante. Oui. Parlons de feu. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ouais mais non parce que en fait comment te dire que c'est enregistré tu vois et que ça va finir sur Pochemezek quoi. C'est compliqué quoi. Damn Daniel. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Moi j'ai une question, quoi tu te sens trahi?
Bah non. Bon, j'avoue, j'ai vendu un peu le truc, mais... J'ai pas envie de me retrouver sur Poche Music, tu vois. Par contre, pour compenser, si tu veux, on peut faire Poche même en live, quoi. Peut-être pas aujourd'hui, mais très bientôt. Oula, 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 oula. Il est un peu gros, je pense. Bah, je fais des mèmes. Poche mèmes. En live, quoi. Bah, je... Je sais pas comment t'expliquer ça autrement, quoi. Genre... je stream mon écran, quoi, et puis... fais des mèmes et tout. Ah, t'avais pas entendu le mot mème. Vendu. Ok. Je dirais dans le groupe qu'on va. On va prendre ça au pire. Sinon, après, on peut faire des wallpapers hein, comme on. Comme je l'ai fait avec Lex, quoi. Ça, ça peut être intéressant aussi. Oups là. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ah, j'ai une question, est-ce que t'aimes bien les licornes? Oh la question toi. est-ce que t'aimes bien les licornes? Je suppose que oui. Parce qu'en fait dans ce jeu là, tu peux avoir une licorne en cheval. Stylé un peu ou pas? Allez. Et puis elle fait des petits faisceaux lumineux là. une traînée lumineuse magnifique. Stylé ou pas? Ça veut pas, ça veut pas. Ce qu'il veut, lui. Il est où? J'ai bien vu quelque chose. Bon. Qu'est-ce que je suis grillé, quoi. Mais. Frappe! C'est con, c'est parce que après, j'ai déjà fait tous les. Les genre les Minotaurs et tout. Ça aussi c'est stylé. Aïe. Pourquoi refuses-tu de mourir? Parce que j'ai pas envie de mourir peut-être. Question con. Ici un trésor. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon Parnasse. J'avais même pas vu que c'était ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Quoi cette merde? Mais... Bon. Comment je sors d'ici? Mais genre elle veut pas. Incroyable. Le.
This is my... Hein, quoi? C'est qui l'autre viewer? Je sais pas du tout. J'allais dire c'est peut-être moi, mais... Le son est désactivé, du coup c'est pas considéré comme un viewer. Donc c'est peut-être... Squeezie. Je sais pas. Issou. Bon bah la licorne elle est morte. Bon bah. Rip. Elle a même pas fait 5 minutes la licorne. C'est pas grave. Elle va revenir. Grosse glissade là. On peut pas descendre plus vite. Incroyable ça quand même. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. This is the magic in the air. Allez, allez, allez. Wow, oh, ça a pris feu ici. Coup de pied dans la pierre. N'importe quoi. Je me suis pété le pied. Un petit singe, il grimpe partout. Complot des Lego. N'importe quoi. Il y a peut-être un mode hein, pour tout modifier en Lego, je sais pas. Débile cette attaque, sérieux. Tant de violence. Dans le monde des bisounours. Ok, ensuite. Ensuite. Il est où le dernier coffre? T'as du coup j'ai une Magic System dans la tête. C'est terrible ça quand même. Ça va vraiment pas avec le jeu quoi. Magic System autant des Grecs. Bah ouais c'est vachement de ma faute, bah ouais évidemment. Encore n'importe quoi ici. Merde, trompette touche. Bon, il est où le coffre? Putain. Il n'y a pas un coffre? Il est sous ma gueule là, le truc. Ah, c'est plus bas que ça? Improbable. Non mais y a pas d'accent, c'est pas système en français. Magic System anglais là. S-Y-S-T-E-N. Pas si tu veux franciser les noms de groupe.
peux le faire aussi. Hein. Ça, je vais le dire à Claude. À cause des Québécois. Méchant. Il n'y a pas un coffre là. Ah, l'aveugle. Et une échelle. Et ben c'était même pas là. Quoi cette merde? Non. Mais descends. Terrible ça. Écoute, si tu vois le coffre, tu me le dis. Je vais dire vous parce que vous êtes deux. Peut-être plus haut, mais ça m'étonnerait. Puis là, je peux pas remonter du coup. Quel plaisir. Probable ça quand même. Et puis l'autre côté, je peux pas remonter, c'est une pente glissante. Région nationale vaincue. On a vaincu Macron. Bon, elle est où cette entrée de grotte déjà? Ah, ça me rend fou, putain. Quel jeu de mort, sérieux. J'ai mis le point, mais je le vois même pas. Toujours en vie. Après une chute de 200 mètres de haut. Bon. Toujours vivant, toujours debout. La banane. Exactement. Ah, c'est une blague. Il est où ce coffre?
What the fuck? Mais c'est terrible ça quand même. Non, pas ça. Là-bas. Ok. Mais putain. Naze. J'ai passé à... comment j'ai pu m'en passer ça incroyable quoi. Ah oui, vraiment des salopes chez Ubisoft. Pardon, sorti tout seul. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Plus personne. Je peux me téléporter là, oui. Un point là-bas et puis un point là. Faire d'abord celui-là. Ah, déplacement indisponible. Ah. Putain. Parce que le gars après plus de 100 heures de jeu, c'est toujours pas. Tu peux pas te déplacer rapidement depuis une grotte quoi. Un peu à déception du bonhomme quoi. On dit je suis déception. Alors. Chaque point, toute la carte. Ah ouais, je t'ai pas montré la carte du jeu. Parce que j'ai encore plein de... Tu vois, là, je fais un point à la fois, hop, c'est fait, terminé, et puis je passe au suivant, tu vois. Le problème, c'est que la carte... c'est pas petit quoi. Et tu peux pas te téléporter comme tu veux non plus quoi. Alors. Ça m'en fout aussi parce que chaque fois c'est un petit coffre, tuer deux gars et puis bon là ils sont 6 mais c'était brutal ça. Aïe 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 aïe. Non, c'est du poison, c'est du Covid. Il n'y avait pas de Covid en ce temps-là. He's dead. Ok, le trésor il est là-haut. Parce que s'il y avait le Covid, crois-moi que... Ils seraient pas en train de se serrer les mains quoi. Elles sont plus en train de se serrer les coudes qu'autre chose mais. Lol.
Je vais finir d'abord cette région. Celui-là dans cette région-là. Bah, du coup, voilà la carte. Bon. Du coup, voilà quoi. Et donc, c'est réparti en régions, tu vois. Et dans chaque région, t'as des petites régions aussi. Et dans chaque petite région, t'as des petits points d'interrogation. C'est des lieux que j'ai pas encore découverts. Et en fait, mon but là, c'est de passer sur chaque point d'interrogation et de faire bah, comme ça que ce soit validé, quoi. Et bon, il y en a encore un peu partout dans toute la carte, quoi. Pour ça que je te dis, j'ai pas fini, quoi. Ah, et aussi, c'est que je fasse toutes les batailles, comme ça, t'as du Sparte partout. Donc là, il y a Sparte, Athènes, là. En bref, quoi. J'ai pas fini. J'ai déjà fini l'histoire. Non, parce que quand elle siffle, elle bouge. Ouais, d'accord, les lèvres elles bougent pas. Bim bada bim bada boum. Ils sont cool. Allez. On va essayer de tuer une deuxième fois la licorne. Maltraitance animale. Et d'un animal qui n'existe pas du coup en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment de la maltraitance animale? Pour ce coup de pied. Par contre ça... bon, c'est pas le choix quoi. C'est eux qui m'agressent. Là je me défends. Me laisser bouffer. Brigitte Bardot, bah ouais, mais Brigitte Bardot. J'ai envie de dire voilà quoi. Et pareil, il y a des requins, donc si je tue les requins, est-ce qu'il y a Sea Shepherd qui vont venir me faire chier? Avance. Comment elle est vénère là? C'est que ça. Oh, le mec il se fait attaquer. Stylé. J'ai jamais vu. Je faisais de ces trucs en ce temps. Des assauts vegan. Bon bah la licorne est encore morte une fois. Et moi je suis en train de glisser comme une merde sur le sol. Oh oui. Il est dead. Go créer une association pour la vie des licornes. Ok. On n'a pas vu. Aïe, la nuque. Attends. C'est ici que tu mourras. Je pense pas, non. Terrible ça. Et alors du coup elles ont gagné contre Animal Crossing ou pas, parce que enfin, elles ont milité, ça veut rien dire, elles ont milité nanana et la pêche interdite d'Animal Crossing.
Ça, c'est encore un jeu Nintendo, j'aime pas Nintendo. Attention, ça va s'énerver. Quoi, t'aimes pas Nintendo? Nanana. Et il manque quoi du coup en fait là, là? La tablette ancienne. Je suis passé 15 fois à côté. A pas pêché, bon, attendez. J'avoue, les insectes sont très importants. Alors. Je l'ai dit, nanana, t'aimes pas Nintendo, nanana. J'aime pas Nintendo. Vendre une console de merde au même prix qu'une PS4, quoi, j'ai envie de dire. Big ouf envers Nintendo. Enfin, Nintendo en mode big ouf, plutôt. Oh non mais c'est vrai quoi, la Nintendo Switch, quelle console de loser quoi. Et aussi pour vendre des jeux aussi chers que les jeux à 70€ sur PS4 quoi. Et le jeu, graphiquement parlant ou quoi, il est nul à chier. Franchement ceux qui achètent des Nintendo Switch là, mis à part être riche, je vois pas comment tu fais quoi. Et puis aussi Nintendo qui strike les vidéos des youtubeurs parce que les youtubeurs ils jouent à leurs jeux vidéo, tu sais. Ah ça va, ils ont arrêté de faire ce genre de conneries quoi. Ils sont vachement cons quoi. Après je dis pas hein. Après, je te les ai défoncés eux par contre. Vénère le bonhomme. Ouais après Animal Crossing c'est sympa quoi. Mais bon. Tu connais Nintendo. Voilà quoi. Ça c'est bon. Après j'avoue bon Animal Crossing. Ah non, moi, je vais rester sur mes acquis, je vais dire ça a l'air sympa. Reposant en fait. Tranquille, tu vois. Prends pas la tête. Je pense que pour ça c'est un bon jeu. Allez hop, on meurt pas. Parce que on est balèze. Tandis qu'Ubisoft, parlons-en parce que je suis en train de jouer un de leurs jeux de merde là. J'aime bien tu vois, mais bon, déjà c'est plus Ubisoft, c'est Buggysoft. Hein. C'est vrai, mais l'entreprise Nintendo en soi, c'est ça qui m'a dégoûté le plus en fait, c'est que... Oui, j'avais Game Boy Color, je les ai toujours d'ailleurs. Putain de console de jeu portable. Quoi. Mais quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, comment ils sont Nintendo, j'ai pas aimé, tu vois. Puis bon, et leur console de la Switch, ça m'a rendu fou. Quoi. Le mec qui vend une console 300 balles, on va dire, elle vaut pas quoi. Enfin bref. Revenir sur Ubisoft. Eux ils font des jeux de merde. Mais qui sont sympas. Mais ça reste des jeux de merde. Mais c'est sympa parce que c'est... Tu vois les combats, tout ça là, les trucs comme ça, moi j'aime bien. Grosse bagarre, nanana.
je me rappelle plus du prix de la 3DS. Si tu me ressors le prix d'origine. Parce que bon, la Switch maintenant, 160€, t'en as une. Je pense. J'espère. Parce que bon. Oh, peut-être encore 200 balles. Ah par contre, pareil, Ubisoft, on critique les joueurs FIFA, tu sais, là, qui achètent toujours le même jeu tous les ans. Je sais plus, mais en tout cas c'était pourri, 3DS, V0 Inter. Tout à fait d'accord. Mais je vais finir mon petit truc. Tu sais, on critique les joueurs FIFA qui achètent FIFA tous les ans. En fait, j'ouvre les portes, mais les mecs ils peuvent pas sortir. Comment ? Mais en fait, au final, quand tu regardes bien, la série des Far Cry, la série des Assassin's Creed, c'est toujours la même chose. Y'a rien qui change. Juste le contexte. Là, la Grèce, prochain ça va être les Vikings. Avant c'était. Comment ça s'appelle ? La révolution industrielle. Après les premiers. Honnêtement, j'ai commencé avec Black Flag. Black Flag que j'ai kiffé. Ah, c'est pour ça que j'aime bien Odyssey, parce qu'il se rapproche vachement de Black Flag, puisque t'as ton petit bateau, tu peux faire tes petites bagarres. Le mec, je les libère, il va les battre. C'est pour ça que j'aime bien Odyssey. Après bon, je crois que je l'avais acheté 30 balles ou 60 sur un centre gaming. L'avantage d'avoir un PC allez, on y va. Permet d'acheter les jeux moitié prix quasiment. Ça c'est cool. Qu'est-ce qui me manque ? Un deuxième trésor ? Ah, il est en haut. Enfin bref, et... Ah. Enfin, je vais quand même finir parce qu'il y a deux viewers et je sais pas qui c'est la deuxième personne. Mais moi je suis invendu quand même parce que je sens que le prochain Assassin's Creed, c'est peut-être moi le deuxième viewer en fait. Je vais l'acheter. Info sûre. Peut-être pas dès sa sortie mais bon. Il est là le coffre. Ok, cette région là, il me reste là ici. C'est pas loin de la route. Ouais. Du coup, je disais. Attends, j'actualise la page sur mon ordinateur portable pour voir si c'était bien moi le deuxième viewer. Ouais, apparemment c'était pas moi. Je sais pas. Bizarre. Enfin bref. Et du coup, je disais. Mais moi je suis un vendu, comme les vendus qui achètent FIFA tous les ans. Prochaine Assassin's Creed, je vais sûrement l'acheter. Mais bon, je disais peut-être pas tout de suite dès sa sortie parce que bon. Il y aura sûrement Cyberpunk 2077 qui sortira. Oh, quoique ils sortiront peut-être pas en même temps, je sais plus. Les dates de sortie, mais. Mais je suis un putain de vendu quoi. Bon, tout ça pour dire qu'on critique les joueurs FIFA, mais on vaut pas mieux qu'eux quoi. Ok. Alors où est-ce que je peux rentrer ? Là ici. Bon allez hop, on se fait comme ça. Comme ça. Et toi t'es mort. Ah lui il est pas mort. Ah voilà. En vrai c'est ultra, j'achète des gros jeux comme ça. Ouais. Ouais mais enfin, je pense que même si toi t'en achètes pas, tu vois quand même des gens de ton entourage qui le font. Tu vois ce que je veux dire ? Après à moins que dans ta famille, les gens que tu connais sont pas trop au jeu. Mais... Oh la droite que je lui mets.
T'es dead, mec. On va foutre le feu. On fout le feu partout, je prends feu, tout va bien. Honnêtement, moi j'adore. Et là on peut dire... Ouais, tu veux, de toute façon, tu peux critiquer qui tu veux ici, t'es libre de parler. On est, j'ai envie de dire, entre nous. Tu vois, ça c'est pareil, les animaux, tu les libères. Ils vont t'agresser. Parce que c'est des saloperies, ces bêtes-là. Pardon, Brigitte Bardot en PLS après mes propos. Mais, donc je disais, ouais, ici, tu peux critiquer les gens. Tu peux très bien dire qu'Alex, c'est un connard, et puis... Il le saura pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien Twitch. J'adore. J'adore cette lance, elle est incroyablement magnifique. Ouais, mais même si... Tu peux clipper et lui envoyer, si tu veux. Alors pour clipper, je sais pas si tu sais faire, mais... Je vois le retour du stream. C'est pas spécialement de la 60 FPS, quoi. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vais bientôt changer. En gros, si tu fais Alt X, normalement, ça devrait te proposer de clipper, mais c'est les 30 dernières secondes. Je sais pas si on est encore dans le truc, ou les 60 dernières secondes. Tu découpes le petit morceau où je dis qu'Alex c'est un gros connard et qu'il le saura jamais. Tu peux reclipper là, encore une fois, et tu lui envoies. Et il le saura pas, et il va rien me dire parce que il sait très bien que je rigole. Le mec. Full sérieux, tu sais. Ouais, Alex, c'est un gros connard. Ça fait trois fois que je le dis. Au final, je vais finir par vraiment le penser. Avance. Avance. Il quelle heure là? 6h30. Bon, tout va bien. Encore une petite demi-heure, puis après j'arrête. Oh, peut-être que ce soir, j'aurai envie vers 2h du matin. Bah non, je sais pas. Ouais, je reste. Ouais, peut-être. Parce que c'est un script d'Odyssée, je pense pas que je vais y jouer ce soir. Mais bon. Salut Eugène. L'oracle. Niveau 2 découvert. C'est pareil, parce que je sais pas si. Aïe. Avant que je rentre. Alors. Les coffres. Qu'est-ce que ça dit des coffres? Voilà. Ah mais ça c'est en extérieur ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah c'est peut-être en intérieur, dans la grotte. Ah là je me suis motivé à vraiment faire chaque point du jeu, donc peut-être que je stream tous les jours à chaque fois que j'y joue. Jijou d'ailleurs qui est un prénom assez répandu. Les gens sont vraiment aveugles. Il y a un trou juste en dessous, tu sais, tu peux passer, mais les gens, il y a personne qui s'est dit ouais, je veux passer. On peut lancer aussi le prénom Jijou. Ça peut être vachement drôle. En plus du hashtag Magic System. Il s'appelle comment ton enfant? Oui, je l'appelais Jijou. Une référence en rapport avec Zizou ou pas? Non. Juste comme ça. Est-ce qu'on peut être con parfois? Le deuxième viewer qui est là qui se dit putain mais c'est qui ce connard? Qui critique les gens?
Franchement, jamais vu quelqu'un d'aussi con. Tellement con que, en fait, si ça se trouve, le deuxième viewer, c'est lui-même, tu sais. Attends, parce que faut que je revienne, hein, parce qu'il y a des coffres là-bas. Hein. Oh, cette échelle, toi. Ah, c'est peut-être Alex tapis dans l'ombre. Ah, en vrai, normalement, je peux le voir. Qui est sur le stream? Mais je sais plus où c'est. Vue modérateur. Accéder à la vue modérateur. Ouais. Bah apparemment il y a 3 personnes en fait. Alors Commander Root, je pense que c'est un truc bot. Et Another TV Viewer. Ah, c'est peut-être un bot aussi, hein, je sais pas. Je vois Foxy Layer en tout cas. Là, lui il va vraiment finir par arriver par chez nous. Il va aller chez Alex, on va rien comprendre. Attends, mais je suis perdu là en fait. Je suis un connard. Ah, allez, sorti. Y'a vraiment rien là-bas. T'as vu, j'ai le trident de Poséidon. Il est vraiment stylé un peu ou pas? J'avoue, l'histoire incroyable quoi. Ah ouais, je t'ai pas montré parce qu'en fait tu peux... Alors du coup, comme tu joues pas à ce genre de jeu, je vais t'expliquer un petit peu l'inventaire. Bon là ici c'est tout le bordel que tu peux vendre. Machin, bon, enfin bref, t'as des trucs aussi pour fabriquer. Donc là c'est l'arc. Sur chaque... ça aussi, sur chaque truc, tu vois, si je fais clic droit, je peux changer le visuel. Donc là si je leur mets son style par défaut, il ressemble à ça. Mais genre, moi je préfère ce style là, donc je mets ce style là. Après je peux changer d'arc, hein, évidemment, donc il y en a des moins perf, tout ça, bon, enfin bref. Sur chaque équipement, t'as des compétences. Ouais, mais c'est pareil. Si t'achètes pas, t'y joues pas. Hein. Eh. Après, tu peux jouer chez quelqu'un d'autre, je sais, mais on s'en fout. Part du principe que si t'achètes pas, t'y joues pas. Et alors du coup, est-ce que je peux voir ce trident incroyable quand même? Ah oui, et j'ai le... Bah voilà, le bâton d'Hermès. Ça, c'est le truc... c'est le... Je crois que c'est le logo des trucs infirmiers. Tu sais. Je crois que c'est celui-là. Trident de Poséidon. Ouais, exactement. Je dis ça, tout le monde travaille dans le médical chez moi, mais... Le mec, il sait plus ce que c'est un caducée, tu sais. XD. Putain, j'ai ramassé tellement de trucs, je vais devoir tout vendre. C'est bien, parce que ça va me faire masse thune. Parce que pareil, ce jeu de mort, c'est une galère totale pour gagner de l'XP et de la thune. J'ai envie de te dire que ça me rend fou. Tac. Et du coup, bah pareil. Donc je peux changer le style de chaque équipement. Pareil, hein. Donc là, je peux mettre cette épée là, machin. Tu vois. Mais tu peux faire la même chose sur la tenue. Alors de base, ma tenue, elle ressemble pas du tout à ça. C'est juste que j'avais envie de mettre ce style là. Sachant que cette tenue là, je l'ai aussi. Ouais, c'est une apparence épique. Sinon, moi je mets celui-là, c'est une apparence légendaire. Mais la licorne, elle est vachement épique. Ah voilà, pour l'inventaire, un truc rapide. Mais le... comment? Merde. Le trident, j'utilise jamais. Je l'équipe juste parce qu'il a une compétence. Ah la mal... Ouais, j'avoue. J'avoue que c'est un peu un lama avec une corne. Mais du coup, en fait, je disais, ce trident, j'utilise pas pour me combat, pour me fight, parce que il a une compétence qui, forcément, comme c'est le trident de Poséidon,
Il permet de respirer sous l'eau. Et ça, c'est pas négligeable. Et oui, Jacqueline. Putain, mais même moi, je plongerais même pas. De toute façon, si tu regardes, ma barre de respiration, elle descend pas. Par contre, le trident, je l'utilise de temps en temps pour me fight quand je suis dans l'eau. Parce que l'épée, quand tu dois te fight avec des requins, les requins, ils t'attaquent à 3 km, tu sais. Je comprends pas pourquoi, mais... Et malheureusement, l'arc dans l'eau, ça marche pas vraiment non plus. Par contre, tout à l'heure, j'ai tué des requins en tirant l'arc dessus. Alors qu'ils étaient à 20 mètres de profondeur. Mais j'étais en réflexion, je me disais, normalement, l'eau ça ralentit la flèche. Ouais, désolé Guylaine, j'avais oublié. D'ailleurs, tu peux peut-être changer ton pseudo sur Twitch. Et t'appeler Guylaine. Et même sur Twitter, du coup. Tant qu'on y est. D'accord. Faut que j'aille où là en fait, parce que ce truc il me... Je suis le chemin mais... Pour l'instant les trésors ils sont pas là, hein. Tout ce que je vois c'est de la roche. Comme Michel... Pardon. Je change ta pépé Twitter. Après je te dis on peut faire du même mais... C'est compliqué, faut trouver l'idée, pardon. Bah, MDR, c'est quoi cette merde? What? Heures. Ouais. Ils sont où ces putains de coffres? L'eau elle est profonde là ou pas? Par là, j'avais pas vu ça. On a l'air d'être par là. Ah! Ah déjà, j'ai ramassé ce que j'avais pas ramassé. Je comprends pas là. Coffre, il est là-bas. The fuck. Mais what? On va remonter. Ah là là, mais c'est terrible. Ah, c'est pas possible ça quand même. Là il y a un chemin, je sais pas. Non. Putain.
Mais descends. Derrière ça. Mais comment j'y accède? Il va y avoir une autre entrée. Ce genre de temple là. J'ai déjà fait. Là où il y a peut-être quelque chose. Oh, on prend toujours, intéressant. Ok. Sortir, j'essaie de trouver une autre entrée. Il doit y avoir une autre entrée, c'est sûr et certain. Mais par où? Ça, je voulais faire, mais c'est pas grave. Gorgophone. On tire sur vos potes. Ah, je disais, il y en a un qui s'appelait, là dans, parmi ceux que j'ai tués, il y en a un qui s'appelait Gorgophone. C'est Gorgophone quoi. Trop chelou comme prénom. Ce serait trop ouf, nous avons lancé les prénoms grecs dans les tendances des prénoms tout court, tu sais. Genre top 1 des prénoms en France, Gorgophone quoi. Le running gag qui va trop loin en fait. Trop réel le bordel. Oula! Merde, j'ai jeté ma torche. Oups. Pouah, le coup de poing. Ah, est-ce que c'est plus chelou que j'y joue? Ah non, parce que. On va dire heureusement, mais. Quand t'as des gosses, souvent c'est pas tout seul. T'imagines toi? Après, si t'es la Vierge Marie, peut-être. Ah! T'as pris feu? Qu'est-ce que je fais, moi? Oh là là!
Enfin. Désolé, moi je suis pas. On va parler religion sur Twitch, je crois. Hein. Alors. Tu sais, moi et ces conneries-là. Astaban, le mec, tu sais. J'arrive pas à trouver où est-ce que je peux rentrer pour choper ces coffres. Je vais devoir aller chercher la solution sur internet. C'est pas possible, ça, quand même. Quand même. Tu l'as dans la tête maintenant. Non. Bon, attends. C'est comment ça s'appelle cette grotte de mort là? Grotte de l'oracle. Ah, faut prendre une quête. Bah, c'est cette quête là en fait. Merci internet. Ouais, parce que moi je suis sans scrupules, tu sais. Si je pouvais tricher dans le jeu, je l'aurais fait depuis le début. Bon, au bout de 100 heures de jeu, quand t'as pas fini le jeu et que t'en as un peu marre en fait, tout ce que tu veux c'est aller très vite. C'est au prix de l'eau. Je dis ça dans le jeu, hein. En réalité c'est autre chose. Je suis contre. Contre la chasse et tout, tu vois. Après, je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, même si tu me juges, parce que j'ai dit que tu pouvais dire ce que tu voulais. T'as mis des cinématiques avec cette tenue-là, elle est improbable. Regarde ses yeux. Je m'appelle Epi. On dirait Superman Epi quand il utilise son laser là. Même si, en vérité, je n'ai pas vraiment. Ou Supergirl hein, parce que enchanté. Maintenant que il y a les deux. Il y a toujours eu les deux, tu vas me dire. Et toi, tu as l'air de quelqu'un qui ne devrait pas sortir de chez lui. Jamais. Je sais, mais je n'y peux rien. Quand je ressens l'appel de l'aventure. Je possède une tablette mycénienne indiquant l'emplacement d'un site. Tant mieux pour toi. Hop, les c'est mycéniens bien. Étaient renommés pour leurs tombeaux raffinés, précieux, oh. Des bijoux en intéressant. Des dagues et des épées de cérémonie. Ah, très intéressant tout ça. Allez, j'y vais moi. Hop, je fonce, tête baissée. Et nous allons faire route ensemble. Le destin a parfois le sens de l'humour, tu sais. Oui, mais à moi, il m'a souri en arrangeant notre rencontre. Quoi, elle marche. Ravi de l'entendre. Alors. Étudie le contenu des rouleaux? Non. Enfin, oui et non. Je creuse aussi la terre. C'est le travail des paysans. Pour découvrir notre histoire. Ça aussi, c'est mal fait. Parfois, cette fois-ci, je l'espère, cela révèle des merveilles enfouies. Perso qui court. Bon, désolé mais toi, quand tu cours, ça, en fait, tu vas plus vite que lui. En terre cuite, ça n'a rien de merveilleux. Moi, sauf que là, je sais pas, ils ont dû faire un truc qui fait que ça te ralentit. Tu as vu en au-delà des trésors à piller. Ah, vraiment? Ça en dit long sur nous. Et savoir d'où nous venons indique où nous allons. Comment stylé cette licorne. Certains se moquent complètement du passé. Ils veulent seulement voler et gagner quelques drachmes. Tu te rends compte? Oui, c'est incroyable. Les semblables ne sont que. Eh bien, tu as parlé de bijoux précieux. Moins improbable, c'est la discussion qui continue, même si je suis à 5 km. Ouais, dépêche-toi, mec. Pas que ça à foutre. Ralentis. Il va y avoir des blessés. En fait, le mec, il s'est vraiment arrêté, par contre. XD. Les ruines et reliques d'autrefois sont très difficiles à trouver.
Seules mes recherches et mes déductions m'ont permis. Ça, c'est rageant de à mort parce que tu cours, hop, ton perso arrête de courir. Avait des rites précis. Certains récits parlent d'objets créés par les dieux. Oui, les dieux aiment parfois fabriquer des choses. Pense-y, Mystios. Par contre, les cheveux gris, trop cieux, je trouve. Un bon guerrier n'a pas besoin de l'aide des dieux, ni de qui que ce soit. C'est vrai, oui. Mais pense à ce que nous pouvons. Je vais faire la même. Ouais. Tu crois qu'on pourrait trouver un objet. Peut-être les cheveux en blanc. Tu vois. Enfin, faire une décoloration, du coup, en fait. Finalement. Oui, ça m'intéresse. Issou. Semble attiré par ce lieu. Je ne m'attendais pas à cela. Est-ce que c'est lié aux gens dont tu m'as parlé? Les Mycéniens? Je ne sais pas comment ils pourraient le savoir. À mon avis, c'est plutôt lié à Trophonios. C'est à base de les observer et tâcher d'en apprendre plus. Tout le monde écoute Gildor. Je vais aller voir à l'intérieur. Attends! Prends ce fragment de stèle. Ah bah voilà, là, je vais pouvoir voir la porte. What? Je suis bloqué. Parle d'un site funéraire. On enterre les nuls dans les endroits plus loin. C'est parce qu'il l'a pas encore vu, je pense. J'ai l'impression qu'on pourrait placer le fragment. Il faisait déjà des portes avec une télécommande incroyable. C'est... Technologie ici. Inattendu. Eh ben voilà, c'est ça que je voulais, moi. Bon, est-ce qu'on a des petits serpents? Ah, c'est pas l'Egypte, hein. Non. D'ailleurs, l'Egypte, c'est pas encore passé, je crois. La Grèce, c'est avant, non? C'est peut-être en même temps, je sais plus. La chronologie. Ah, les Illuminati en ce temps-là. Bah, en fait, j'ai détruit les Illuminati, en fait. L'histoire, c'est... tu te bats contre un culte, un type Illuminati, en fait, qui veulent diriger le monde et tout. Voilà, je t'ai spoil le jeu. Comme ça, t'as pas besoin de le faire. Bah, de rien. Zéro scrupule ici. Ouais, mais t'as pas les détails, du coup c'est pas intéressant, tu vois. Non, mon perso il va plus vite quand t'es en zoom comme ça là. En zoom, en visée. Ok, et ensuite... Il y a un coffre derrière là. Je peux pas passer au-dessus. Non. Et merci. En tout cas, en ce temps-là, il faisait des sacrées constructions. Oh, spoiler les trucs, là c'est pas vraiment spoiler. Cette statue représente un guerrier. T'as le principe de l'histoire, c'est tout. T'as pas les détails. Pour moi, spoiler, c'est vraiment dire dans les détails et tout, tu vois. Là t'as rien. Ces inscriptions rappellent la pierre des pies. Où ça? Ah ouais, là-haut, là. Ah ouais, mais non. What the fuck? Ah. Ah, j'avoue.
parlant de trucs égyptiens, moi j'ai pas fait Assassin's Creed Origins. Qui est juste avant celui-là. Il m'a pas attiré Origins. Le perso. Le perso qui a la tremblote. Regarde. Nous sommes au bon endroit. Ouais, c'est chaud d'avoir pris. Malheureusement, mon ami, attends, il a été pillé. Ouais. Je n'ai trouvé que cette armure. C'est bah, globalement. Les Mycéniens pas trop font une société de guerre. Fantasy, quoi, mais. Alors, ce doit être. C'est parti. Ouais, c'est vrai que c'est parti un peu de travers les Assassin's Creed à partir de Origins, je pense. Les mecs se sont dit, allez, on se fait plaisir. Ce n'était qu'un fragment de la stèle. Odyssée, par contre. Les autres, je pourrais déchiffrer le texte. Et on trouvera si je découvre. Allez, je passe les trucs là. Ouais, je les cherche. C'est bien. Odyssée, ouais, par contre. Après, c'est parce qu'ils ont, sont basés sur les légendes, je pense. Genre le Minotaure et tout, tu sais. Même en ne possédant qu'un comment fragment de la aussi, stèle, je peux commencer à lire le message. Et qu'est-ce que ça dit? Je crois qu'il est écrit des dieux. C'est vrai? Quand je pense que tu criais à l'aide il n'y a pas si longtemps. Oui, et regarde-moi. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant de faire un jeu qui a un côté historique réaliste. Ceci, les fragments de la stèle ont été volontairement séparés. Attends, j'en ai déjà trouvé. Par Zeus. Une partie. Il doit y avoir une partie d'armure avec chaque frappe. Mais pourquoi? Cette partie. Ça n'explique pas pourquoi l'armure a été éparpillée et cachée avec un fragment de stèle. Ce serait improbable, c'est le perso qui dit ça. Partie du rite. Je crois que nous c'est écrit. Mange tes grands morts. Ah. Si nous avons. Non. Allez, je passe les dialogues parce que ça me saoule. C'est peut-être une. J'étais aussi. Ce n'est pas tout. Cela un. Quel rite? Je n'en ai. Tu as l'emplace ce texte et je fais. J'ai un peu plus là. Le mec qui fait les dialogues, mais juste pour les avoir fait, tu sais. Impossible. Et quel rap. Ça, je m'en. Je dois partir. Attends, mais ils m'ont re-téléporté dans le bordel. Ce qui veut dire que je dois ressortir encore. Mais ils sont relous, ces mecs-là. Faire tellement de parodies de tout aussi. L'aurore est venue. Ah, c'est de là que viennent les mêmes, quoi, on va dire. Allez, sors. De titres dans ce jeu. Non. Non, je vois pas. Attends, parce que j'ai fait ce point-là maintenant. Dans cette région, ça c'est pas à faire. Ben, ce point d'interrogation. Et j'ai pas demandé, mais ma voix elle est plus forte que le son du jeu ou le son du jeu est plus fort hein? Qu'est-ce qu'il dit lui? Tu vas me laisser tranquille, toi? Alors.
gros, tu dis titre. Quand tu vois une phrase qui pourrait avoir un double sens. Je connais pas du tout. Tu peux me faire un petit exemple, s'il te plaît? Si t'as un exemple en tête là. Pendant que je leur fais manger leur mort là, eux là. Ah, on a un petit peu de bois. Toujours est-il le bois. Les mecs. Téléportation. Ensuite, je m'occuperai. Aïe. Aïe. En fait, t'as pas fait le clip tout à l'heure? J'ai pas vu le truc pop. T'as peut-être pas été jusqu'au bout. Pas grave, de toute façon, je pourrais reprendre le truc. Je peux le télécharger et puis le faire. T'inquiète. Parce que je vois qu'Alex est revenu. MDLOL. On peut peut-être lui dire de venir. Hein. Ok. Il restait dans une fenêtre. Ah oui. Ah, si tu veux, je parle pas pendant 5 minutes, quoi. Ça, c'est bon. Attends, parce que cette région-là... J'ai fait quoi, là, comme région? Je vais le noter. Comme ça, je vais... hop, petite note, là. Nouvelle note. Alors, région... Ça devrait apparaître dans le chat, je crois. Ou pas. Je sais plus. Fini. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait comme région qui est vraiment fini, fini? T'as la Macédoine, là, ici. Trop pressé de la faire. MDLOL. Alors, normalement, la Malice. Je sais pas. Malice. Mali. J'ai fait le Mali. Pardon pour cette blague un peu... Alors, je vais noter Mali. Est-ce qu'on peut pas mettre une petite coche là? Mali, focus. Non, c'est bon le focus. Il y a juste une quête à faire, mais c'est une quête... de merde que je ferai jamais. Ou peut-être. Ok. Donc là j'ai attaqué quoi là? La Béoti? La Béoti? B. Ouais, Béoti. D'accord. Donc. Béoti. Ça c'est bon. Ok. C'est enregistré. Normalement, si t'as le clip, tu peux l'envoyer dans la conve. Alors, du coup,
la colline de naissance, c'est bon. Putain, il y a encore plein de choses à faire. Hein. La BO6, c'est là. On va attaquer ça. Zébardi. Pourquoi j'ai appelé le cheval ? Le cheval. On va rester sur le délire. Tellement brutal les téléportations comme ça. C'est le one shot quasiment. Hop, allez-y madame, merci. Ça en brûle. Merci. Mais en fait, saloperie, je me suis fait avoir. C'était un campement qui ne valait pas la peine. C'est-à-dire que j'ai buté des spartiates pour rien. C'est triste hein, de résumer la vie des gens à ça, tu vois. Genre, il est mort pour rien. Je l'ai tué pour rien, tu vois. C'est ça triste. Mais c'est pas grave, hein, c'est un jeu vidéo. Mais... Ah, ça c'est intéressant. C'est encore des brigands. Ah bah pour ça, elle disait rien en effet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. J'espère que tu vas crever toi. Tu es super. Le temps de le faire. Aïe! Bordel! Vous en voulez? Vous allez l'avoir. Voilà! Tellement efficace ces flèches-là. Le pire, je sais pas si t'as vu, mais des flèches comme ça. J'ai découvert ça il y a deux jours. Première fois que je l'ai fait sans le faire exprès. Il y a deux jours. Alors j'avais déjà 90 heures de jeu, tu vois. Mais bon. Non, j'ai pas la haine. Non, j'ai pas la haine. Ça aurait pu me sauver pendant... Enfin, plein, tellement de fois que... Mais bon. On fait avec. C'est pas grave. J'adore les ralentis comme ça quand tu bloques, quand tu pars le mec. C'est incroyable. Mais il meurt pas instant. Ah si, lui il est mort. Alors les Pokémon, qu'est-ce que ça dit? Ce combat contre toi, t'as quoi? Ouais, vas-y, dis. Il a duré 2 secondes, gros. Espèce de noob. Hop, tu vois, c'est marrant, les Athéniens, je les libère pour les combattre plus tard lors d'une bataille. C'est pas très Charlie. Si quand même, tu vois, parce que je les aide à un moment. Mais je les bute après.
Donc c'est Charlie à moitié, tu vois. Il me reste quoi à faire là? J'ai pas trouvé la stèle ancienne. Allez-y, madame, sortez. Alors, elle est où cette stèle? Elle doit être. Non. Et là. Ok, encore un truc de fait. Eh bah, petit à petit, on avance. Je me suis vraiment mis l'idée de le faire à 100% ce jeu de mort là. Alors que je dis que c'est un jeu de mort hein, quand même, tu vois. Ah ouais. Ah, c'était là-bas qu'il y avait le cyclope. Est-ce que je peux pas me téléporter plus proche? Si. Ah bah yes. Par contre, tu disais c'est un âne qui a. Enfin, il a plus sa tronche d'un âne. Enfin, si l'âne il galopait à cette vitesse-là, les chevaux, à quoi serviraient-ils? Il est pas mort? Oh bah là, oui. Ah oui, un lama. J'avais compris, bon, c'est vrai. Tant pour moi. Tant pour moi. Hop, la petite stèle là. Et le capitaine, il est où le capitaine? Alors. Vous êtes où mon capitaine? Le mec aveugle, il m'a même pas vu quoi. Ok. Ok, ok, ok. Celle-là c'est bon, celle d'à côté c'est bon aussi. Et mais cette région là il n'y a plus rien dedans. Ah si, il reste un point là, deux points. Ok. Compliqué tout ça, hein, moi je vous le dis.
On va tuer le l'animal alpha. Pauvre bête. Tiens, dis-moi, est-ce que t'as le lien du clip? Je crois que je peux les voir les clips, mais je sais pas où c'est. J'utilise trop plus Twitch. Alors non. C'était pas très français ce que je viens de dire en fait. J'utilise plus trop, pardon. Ah, ça tire à balles réelles. Super. Bah écoute, je te laisse le mettre dans la conversation en mentionnant Alex. XD. Alors. Comme ça, il va rager un peu. MD lol. Oh, il y a un coffre là. Ah, mais il le verra après. Ça va être marrant. Pourquoi je peux pas remonter? Ouah, ce petit plongeon qu'on, comme on fait à la piscine. Là. Hop là, le... Incroyable. Bon, comment je remonte maintenant? Bah j'ai besoin de remonter. Ah! Ah bah si. Si si, j'ai besoin de remonter moi. Comment je remonte là-haut moi? Merde. Je crois que je dois rentrer là-dedans en fait. T'as ces roches encore en fusion quoi. Enfin ces roches. Incroyable. Bah lui sec. Oui. Examine ma chair, mortel. Car voici se dressant devant toi, Empédocle. Empédocle. Ok. Titre. Ça fait rêver quand même des plages comme ça. Ok, ça c'est fait. Ensuite. Titre, non? Ça c'est bon. Elle est quand même grande la béotine. Il y a un polémarque là. Yes. Ça m'a avancé dans une quête. C'est pas grave. Si t'as pas compris, c'est pas grave. Je sais plus, j'avais dit. Je sais même plus moi-même ce que j'ai dit. On va mettre ça sur le dos de la fatigue. Et merde.
aller faire ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, le... voilà, quoi. Moi non plus en fait. Ce que j'ai dit, c'est la fatigue. Ce coup de sifflet incroyable. Je suis sûr, siffler les chevaux comme ça, dans, genre dans The Witcher, tu le fais aussi. Assassin's Creed. Il y a d'autres jeux où ça le fait aussi. Je suis sûr c'est basé de... Ça vient du Seigneur des Anneaux quand Gandalf il appelle... Comment il s'appelle son cheval déjà? Je me rappelle plus. Ouais, Gripoil. Bien vu. Mais Alex, il est toujours sur Snap aussi. Je t'ai dit, il doit y avoir un groupe Poche et Musique sur Snap. Gripoil. Ouais, moi je dis Poche parce que c'est Poche, tu vois. C'est avec l'accent portugais, tu sais. Ok, poche music. C'est plus italien, mais... Ah non, par contre, les œufs, c'est les œufs pochés, tu vois. C'est pas pareil. Ah, pas mort. Bim bada bim bim bada bada boum. Ils sont au coup. Oh mais c'est plus stylé tu vois quand tu dis poche musique que poche tu vois. J'avais musique de poche. En plus ça tu me dis. Qu'est-ce qu'ils veulent, même les habitants ils veulent se fight avec moi. Merde, je suis trompé de touche. Oh mais... Aïe 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 aïe. Ah, là par contre ça c'est fini. Ah, ça je suis preneur. On va retirer le style à mon accent là. On va dire poche musique. Aïe. Aïe. Ah, salope. Bon, tu me casses les couilles avec ton bouclier là. La meuf elle se fait frapper, elle lâche des ah ah ah, ah. Genre tu sais c'est Denis Brogniart. Ah ah ah. Ah mais j'étais obligé là. Moi je t'avouerai, j'ai toujours pas le truc titre en fait. Mais putain! Une phrase. On me réexpliquera après. Peut-être poser entre guillemets. Là. Ah! Tu m'entends? C'est. Oh là! Ah! Ah!
Mais arrêtez! Laissez-moi me battre! J'ai dit tête reposée, pardon. Décidément, la fatigue. Hein. Mauvais moment où je sors mon arc. Elle fait mal en plus, hein! Mais. Denise Brognard, là, elle fait mal! Oh! C'est mort, je meurs pas. Cassez-vous. Non. Pas moi. Ah bon, je vais pas mourir. Non, parce qu'en plus, eux, ils sont plus haut niveau que moi, je crois. Aïe! Oh, le combat de Gogol, toi! Hop, on soigne. Ils me cassent les couilles avec leur grenade, là. Ce que j'aime bien, c'est que ça se rapproche beaucoup du style de gameplay de Horizon Zero Dawn. Ah, si ça brûle, appelle les pompiers. Meuf, je la bombarde, on dirait que j'ai une mitraillette. Hop là. Et c'est win. Ah. Le combat n'est pas fini. Bon. Revenons-en à nos moutons. Ok. Voilà. Voilà, ça devrait gêner les Spartiates. La mort. Oh, bordel, lui, il est mort instant, le mec. Qui a une téléphone rose? La meuf là? Enfin Cassandra du coup en fait. Ouais. J'avoue quand elle fait son... Voilà. C'est... Voilà, ça devrait gêner les Spartiates. La meuf. Elle prend du plaisir à dire ça. Oula, mon PC qui est en sueur. Vraiment que je change. Alors, gros, on arrive pas à m'attaquer. Et t'as vu, je suis sur une table. Bon, il a fini de faire des droits de gauche, là. C'est les couilles. Mais le mec, il m'attaque pas, je suis sur une table. La table qui l'empêche de m'attaquer. Improbable. Première fois que ça me fait ça. Eh ben, faut faire plus de 100 heures de jeu pour voir ça, quoi. J'avoue. Oh, il va manger mes boyaux. Alors, j'adore faire ça. Regarde, ça c'est beau. Hop, t'es mort. La meilleure solution pour fight les gros trucs. Ah merde, le bâtard il esquive. Alors, tu vois, tu peux faire ça pendant des heures. Hop, toi t'es mort. Ah, peut-être pas encore.
Oh, le PC qui est en sueur. Ah, c'est bien, les deux sont tombés. Ne compte pas sur ma pitié. Aïe. C'est qui brûle, on dirait que... Ah non, mais lui, je veux pas le tuer, en fait. Ça sert à rien, je bute. Faut que je bute le capitaine. Ouais, ouais, capitaine abandonné. Ok, j'ai eu le coffre. Attends, quoi? Yo, le capitaine. Yo, ce connard. Ah, il est là. Comment ça? Oui. Alors, étonnamment, il y a un combat dans son bastion et le mec il sait pas que je suis là, tu sais. Nickel. Coffre, il en reste un là-bas. Il y a trop d'entités ou quoi pour que ça rame comme ça? Éviter de se faire voir. Ok, d'accord. MDR. J'ai pris une entrée secrète pour sortir. Ah ouais. Pour rentrer par la muraille. Oh, pas le problème. Alors, le trésor public. Le outil des dirigeants sont désormais vulnérables. Ah, le coffre est là. C'est beaucoup trop répétitif, c'est lassant à force. Heureusement qu'il y a des phases de combat quand même. Qui te motive parce que putain, sinon. On aurait dû arrêter de jouer. Ah, on vole le trésor public, bah ouais, Balkany évidemment. J'avais oublié. D'ailleurs, elle a réussi à s'en sortir un peu. C'est quoi ce skin? Alors, ce skin. C'est parce que j'ai pas la tenue dans l'inventaire là. Mais ce skin, c'est la tenue céleste. Qui coûte. Que tu as normalement. Dans la boutique. Si je me trompe pas, mais comme je l'ai déjà, il y est plus dedans. Elle est où la boutique? Le magasin. Pack. Pack, 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 pack. Tout pack. Je sais plus. Ouais, c'est. Ah bah voilà, c'est ça. Le pack céleste là. Sauf
que pourquoi j'ai pas le cheval et l'épée? Parce que je crois que j'avais pris que la tenue en fait. MDLOL. Alors là, wow, ça sent beaucoup trop fort. Merci pour le follow. Tu l'as acheté combien? Je crois que j'avais déjà des crédits Elix quand j'avais le jeu. Et j'ai pris avec les crédits Elix. Mais je crois que comme j'ai pris que la tenue, c'est revenu un petit peu, moins cher. Genre ça devait être 250 je crois, ou un truc comme ça. Et là, si tu veux le pack, c'est 500 crédits Elix. Si t'as déjà des 500 crédits Elix, prends-le. Après, il y a des skins qui sont plus beaux, perso, je trouve. Mais comme j'ai pas envie de claquer de la thune en plus dedans. Voilà quoi. Déjà assez donné d'argent à Ubisoft. Hein. Alors, je peux faire la bataille. Ça, non. Ce qu'il me reste à faire. Ça c'est fait. Une petite région de plus. Et la région elle s'arrête là. Donc il faut que je fasse le petit coin ici. Nickel. Chasse aux fantômes. Mais sinon ouais, j'avoue elle est stylée la tenue quand même. Chasse aux fantômes c'est une quête ouais. On va aller là-bas. Par contre j'ai... le cheval il suit pas du tout le... Cassez-vous. Vive les licornes, hein, comme on dit. Le cheval, c'est génial. Ce jeu quoi. Interminable. Vous êtes proche d'une cible non suivie? Oh, on va les faire. Dans la boutique olympique. Je t'avouerai que le jeu la boutique olympique, excellente question. Ouais, je crois que j'avais pris le pack là ici comme ça où t'as que la tenue en fait. Peut-être. Je vois, je fais jamais le tour du truc des boutiques. Après la boutique olympique, c'est quoi la différence avec la boutique normale? Crédit Elix. Allez hop, 100 euros en plus. Genre y a vraiment des gens qui m'ont acheté des packs. Faut vraiment être déter. Enfin des packs pour avoir des... des matériaux quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans hein? Les figures de pro elles sont trop stylées. Beaucoup
beaucoup trop stylé. C'est là où tu changes tes oreilles qui t'en focus. Ah oui, cette boutique là. Ah j'ai pas été. Je t'avoue, j'ai pas été. Ah je fais ça et puis je vais aller faire un tour après. Dans ce tombeau, l'héritière verra comment la vie surgit d'un lieu de mort. De la vie au sein d'un tombeau. Si je n'avais pas vu le bâton à l'œuvre, je n'y croirais pas. Allez voir après là. La tâche de l'héritière, ah, c'est bien vu ça. Boutique olympique. Je l'avais oublié cette boutique là. Pour dire à quel point ça fait longtemps que j'ai pas joué quoi. Je lui dirais t'es dead. Quelqu'un que je verrai plus jamais. Voilà Amstramgram. Hop, j'attends voilà. Depuis si longtemps. Et j'ai tant perdu. Si je le pouvais, je dirais emmène-moi. Rappelle-toi cette réponse. D'ailleurs, les trucs de Richel que je sais même pas combien j'ai. Je n'ai pas à me le dire, Aletheia. Je me souviendrai toujours. Et je garderai toujours. Et maintenant, l'héritière des souvenirs affrontera-t-elle le tombeau ? Vas-y. J'imagine que oui. Altaïr 2, répondez. Ici Altaïr 2. Le prochain arrêt, c'est le tombeau d'Orion. À mon retour, je vous montrerai comment y aller. Alors. Altaïr 2, j'ai réussi à entrer. Je crois que je fais des progrès. Tu pourras toujours changer de boulot si Assassin, ça te plaît plus. Mauvaise idée, Layla. On ignore quelle est la source des interférences radio, et il y a des divergences temporelles dans les mémoires de l'animus. C'est noté, docteur. Terminé. Ok. Ça, je peux pas. Non, c'est de l'autre côté que ça se fait. Donc, c'est par là. Ah bah ouais. Pour ça je dis j'ai fini l'histoire mais j'ai pas vraiment fini. Cet endroit tombe en ruine. Ah je peux l'acheter. Fresque de Tauro. À cause du lien entre la constellation et Orion. On sent lumière, on va rien voir. Ok, je pourrais retourner avec Cassandra après. Aïe! Bah, même pas. Hein? Lol. Attendez deux minutes. Deux petites minutes. Ok. Désolé pour cette interruption. On est reparti. Du coup, on va monter. Empoisonné. Ça va rien les drogues, mais si ça va. Attendez. Alors, il est où son tombeau là ? Ah oui, non. Faire ça. Wow, wow, wow. Ok. Ce tombeau sera votre tombeau. La vision d'aigle. Je sais même pas ce que je dois chercher en fait là. Eh, je peux passer là en dessous. Faut passer de l'autre côté par contre. Ok.
que dalle. Bah what? Je suis aveugle. Est-ce que vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu? Ah, c'est vrai que je peux casser les pots. Alors ce piège nul, c'est... Les pièges nuls, tu vas bien résumer. Oh, je suis con ou je suis con Je crois que ça laisse pas vraiment de choix à la réponse, mais... J'avoue, ça fait Tomb Raider. Bloqué. Doit y avoir un autre chemin. Ah, c'est vachement marrant, ça. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, qui est beaucoup trop bien. Donc, ça se passe ici. Ah, voilà! J'avais pas vu ça. Tu sais, les archéologues qui découvrent des reliques puis qui cassent tout. Le son qui était à moitié bugué d'ailleurs. Le deuxième symbole n'est pas loin. Tu t'es montré habile en arrivant si loin, malgré l'illicite. L'illicite, tu veux dire... Ce qui est relou, c'est que tu fais le... Un trou au plafond. C'est piège nul, là, ouais. Ouais. C'est vraiment des pièges nuls. R2, j'ai réussi à entrer. Je crois que je fais des progrès. Tu pourras toujours changer de boulot si Assassin ça te plaît plus. Mauvaise idée, Layla. On ignore quelle est la source des interférences radio et il y a des divergences temporelles dans les mémoires de l'Animus. C'est noté, docteur. Terminé. Attendez, je reprends le message. Hop. Du coup, pourquoi j'ai plus de lampe torche? Ah, LED! On va devoir faire dans le noir. Oh mais c'est une blague. C'est une putain de blague. Heureusement que j'ai un deuxième écran où la luminosité est plus élevée. Du coup je vois mieux. Cet endroit tombe en ruine. Mais non. Là j'y vais à l'aveugle. Oh de la merde. Allez. Allez. Terrible ça. Alors je crois qu'on avait été... Déjà on a fait ça. On va faciliter le chemin. Et c'est par là du coup. Je vais faire un truc. Sans deux heures de jeu, quel plaisir, un pur bonheur. Sans deux heures de bonheur. Je suis mort. Pas là. Des fresques de taureaux. À cause du lien entre la constellation et Orion. C'est marrant, il y a un point, mais on peut pas interagir. C'est ce qu'il faut le faire avec Cassandra, je pense. Par contre, là, je vois rien du tout, je vous avoue aussi. J'espère qu'il n'y a pas trop d'eau.
Attends, mais what? Putain, c'est vraiment bien fait ce jeu. Hein. Tu meurs, tu respawns sans la lampe, quoi. Ok, là, je suis sorti par là où j'ai... Ok. Donc, c'est par là. Les gens derrière leur écran en train de péter un câble. Ouais, hey, c'était là! T'es con ou quoi? Ouais, je sais. Donc c'est bien. Non mais attends. T'as zéro indication en plus, c'est chiant à mort. Par là, y'a rien là, genre là, vraiment là. Pas le tombeau là. Que dalle. Je suis Kevlo. Ah mais c'est un truc qui te fait tourner en boucle en fait là. Pourquoi je suis décédé aussi hein? Je suis un connard. Mais quand même. Je tourne en boucle, ça me rend fou. Pas un trou en bas d'un mur ou quoi? C'est dingue ça. Non. Et là, si je remonte, je reviens au point de départ. Ah mais je suis un connard en fait. Putain. Je t'en en boucle pour rien. Trois heures pour trouver le la sortie. Deuxième symbole n'est pas loin. Non mais c'est terrible. Quoi. En arrivant si loin, malgré l'illicite. L'illicite. Ou quelqu'un d'autre. Un trou au plafond. Comment faire pour aller là-haut? Pas grimper elle. Incapable. Feignasse. Alors j'ai ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Je me suis mis à tort. Le deuxième symbole. Une autre partie de constellation. Peut-être qu'il s'assemble. Alter 2, vous êtes là? L'illicite peut nous entendre. L'illicite? Qui ça? Leila, on te reçoit, mais ça coupe tout le temps. Tu as dit que tu avais trouvé le deuxième symbole? Oui. Et Cassandra sait où est le troisième, j'en suis certaine. Je vais replonger. En
tant que médecin et en tant qu'ami, j'exige que tu arrêtes. Nous ne sommes pas en mesure de garantir ta sécurité. Le bâton. Le bâton me rend immortel, Vic. Ça va aller. Leïla, je t'en prie. Lol. Ah ouais, le bâton, bâton de bois que j'ai trouvé dans la forêt l'autre jour, il me rend immortel en fait. Et là, c'est le plus relou parce qu'il faut tout refaire. Tu arrives trop tard. Ils sont tous morts ou devenus fous. Je ne comprends pas. Qui t'a fait ça? Je n'en sais rien moi-même. J'avoue. Mes frères et moi avons été attirés gros, ici. Gros bout de bois, quoi. La folie s'est emparée de nous. Nous nous sommes battus pour l'artefact. L'un d'eux l'a pris et il est parti. Il a pris le fragment? Fouille les grottes. C'est là qu'il se cache. Mais méfie-toi. Oh, la folie a frappé. Nickel. Merde. Oh bah de toute façon on était déjà mort. Alors... Bon maintenant je connais le chemin par cœur quoi. La stèle elle est... Oh mais... Mais... Crève salope. La stèle... On n'est pas du tout par là d'ailleurs. Parce que je refais la même connerie que tout à l'heure, je tourne en boucle. Cassez-vous! Des coffres ici, je crois. Hop. Ok. Oh, un trident. Mais... Merde. Terrible, ça. C'est pas ça la stèle. Simple, on va sortir. Oh, putain. Alors, on va me faire chier. Non, ouais. Voilà. Non. Bon, ça va les gars, je vous gêne pas. Ah
bâtard. Je me suis fait défoncer. Mais tout va bien. Alors, elle est où la stèle ? Là-bas. Ok. Mais... C'était bien ça. Le choke. Pourquoi je peux pas... À cause de ça. Non. Éteindre ça. Oh, what the fuck. Je peux pas interagir. Bah lol. C'est quoi ce jeu de mort encore? Je peux pas. C'est quoi ce bug? Je reviendrai plus tard. Ils sont encore en vie eux. Les bugs. Bon, bah, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Putain, je suis bête, quoi. Oh non, c'est mort. C'est mort, je me fight pas. Faut aller en focus, du coup. Et après ça, j'arrête. Oh, déception. C'est vrai ou pas? Je vais juste aller vendre tout le matériel en fait. Oh, encore. Je vais vendre tout le matos.
se faire mastune. Et je vais aller voir le marchand là. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, avant tout. Et ça, je suis obligé de faire un. Au moins qu'il y ait un bouton pour tout le monde, mais. Je vais trouver. Très long. Finalement, c'est pas si compliqué que ça de faire de la thune dans le jeu. Tu butes plein de gens, tu ramasses plein de plastrons, plein d'équipements en fait, et puis tu revends tout. On va atteindre les 200 000 pièces d'or. Incroyable. Enfin, drachme. Ravi de te voir. Piouf. Les marchandises sont de la meilleure qualité. Merde. Ah, je peux pas améliorer le dernier, putain. Merci. Pas grave. Alors. Marchand de Richard Leclerc. Lucec. Ravi de te revoir. Où trouves-tu? J'ai un réseau d'associés. Tu connais ton maître. Je connais l'intérêt. C'est pas lui que je dois parler, là. Ah, voilà. Ah bah ça tombe bien, il y avait les jambes célestes en fait. T'es con. C'est cher par contre. Très très cher. Bon, on sauvegarde là puis on arrête là, hein, comme on dit. Enfin ça se dit pas mais... Voilà quoi, j'ai envie de dire. C'est la fin quoi, j'ai envie de dire. C'est la end. Oh, encore, on va pleurer. Putain, ça fait combien de temps là que c'est en stream? 2h30. Incroyable. 2h30, c'est long. Générique de fin. J'ai pas de générique de fin. Mais en générique de fin, on peut peut-être mettre un truc. Bah justement, c'est ce que je pensais faire. Attends 2 secondes. Bah ouais, bah j'allais mettre une... Bah c'est ça que tu veux, une poche et musique, non? Une poche musique, pardon. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux en poche musique? Y a du choix, hein. Ah bah je sais. Ah non, je sais pas. Si, je sais. Non, t'inquiète, pas besoin. Et en plus, ça, c'est parfait parce que moi je dis que
Ça va être une séparation. Voilà. Donc c'est la fin du stream, comme on dit. Et puis... on se sépare, mais on va se retrouver. Bon allez. À toutes.